il y a eu des crises et qui sont morts, pas certaines immédiatement, le jour de l'incendie, d'autres plus tard. Ensuite, il y a des femmes aujourd'hui qui ont tout perdu, des hommes qui ont tout perdu et qui sont dans le désespoir le plus absolu. Nous avons savoir aussi que les incendies ont été l'occasion, la cause de la mort de l'économie togolaise. Parce qu'aujourd'hui, l'économie togolaise est totalement délabrée du fait de l'inexistence de ce poumon vital qui était les marchés de l'eau médicale. Et c'est pour ça que nous avons tenu de façon silencieuse à commémorer cela, à réfléchir, à nous interroger, à nous poser des questions, à questionner, à savoir pourquoi on a pu faire des choses comme cela. Et à savoir, à réfléchir pour que, comment faire pour que demain, des choses comme cela ne se reproduisent plus jamais. Et qu'on puisse rechercher effectivement les auteurs et les sanctions. Alors, mais qu'est-ce qui motive Donc, en fait, nous sommes en deuil. L'itinéraire de la marche a été un peu versé au dernier moment. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, vous savez, lorsque nous désignons des itinéraires, il est prévu dans la loi que l'administration peut faire des observations. Et c'est par rapport aux observations de l'administration, donc de la délégation spéciale de la commune de Lomé, que nous avons dû nous mettre d'accord avec sa délégation sur le nouvel itinéraire. Vous savez, aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'il y ait des heures, nous ne voulons pas qu'il y ait de l'affrontement, nous ne voulons pas qu'il y ait des gaz lacrymogènes, nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes sur le matin. Et c'est pour ça que nous avons préféré commémorer cette marche en silence, de façon sereine. Et c'est pour ça que nous sommes d'accord avec la délégation spéciale de la commune de Lomé pour que nous avons un itinéraire qui ne soit pas constitutionnel. Quel est le nouvel itinéraire? Non, l'itinéraire n'a pas changé, sauf que nous ne passons plus par le marché. Demain, nous avons un grand meeting à la place de l'indépendance pour commémorer l'assassinat du premier chef d'État élu au Togo en 1963. Nous allons nous recueillir et nous remémorer justement cet événement.